programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste. Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 11 janvier 2021 qui aura lieu sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix de Breteuil, quinté de la veille, disputé samedi toujours à Vincennes, est revenu à un certain dénicheur du vif présenté par Aymeric Thomas et qui portait le numéro 11. Turf Sélection réalise une très belle performance en donnant quinté dans le désordre, mais surtout tiercé ordre de plus de 387 euros tout de même. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, c'est Chef 85 qui marque plus de 1074 points grâce à un quinté accompagné des bonnes bases. Aegina et Lab 71 complètent le podium du jour en affichant également des scores supérieurs à 1000 points. Bravo à tous pour ces jolies performances. Place maintenant au tiercé quarté quinté plus du lundi 11 janvier 2021, à savoir le prix de l'Aveyron. Cette compétition, première épreuve de la Réunion 1, départ donné à 13h50, réunira des femelles âgées de 7 à 9 ans, françaises, de grande qualité. Elles seront 14 à se produire sur le parcours des 2850 mètres de la grande piste. Notons que les 7 plus riches rendront la distance de 25 mètres à 7 moins argentés, ce qui promet une jolie course-poursuite. Décoloration, le numéro 12 est transformé depuis qu'elle a rejoint les boxes de Jean-Michel Baudouin. Restant sur 3 victoires toutes plus faciles les unes que les autres, elle sera une nouvelle fois confiée à Tony Le Belair. Déférée des 4 pieds et devant rendre la distance, si elle revient vite sur les leaders et prend les commandes de l'épreuve, alors elle sera difficile à battre. Élite de Giel, le numéro 13, vient de redorer son blason en terminant deuxième de notre favorite, et ce de très plaisante manière. Semblant bien s'entendre avec David Thomas, elle trouve ici un bel engagement pour confirmer en montant sur le podium. Erdelios, le numéro 9, régulière dans l'ensemble et de nouveau déférée des 4 pieds, peut compter sur la précieuse aide de François Lagadec pour rendre la distance. Diva du Granit, le numéro 14, est confiée pour la circonstance à un certain Eric Raffin. Si elle trotte, en tant que plus riche de l'épreuve, elle peut logiquement terminer dans les 4. Effigie Royale, le numéro 10, présenté par Pierre-Édouard Marie et piloté pour l'occasion par Jean-Michel Bazir, aura des partisans. Devise du Vivier, le numéro 8, est compliqué, mais nous savons que si elle trotte, elle peut largement prétendre à une place ici. Sinon, partant, il venait à y avoir, DS de Cordel, le numéro 1, avec l'aide de Mathieu Abrivard aux commandes, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, n'hésitez pas à la partager, à lâcher un gros pouce bleu et commenter et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.